Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi, je rends grâce à Dieu. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer deux choses. Comment vous pouvez recharger votre compte ISM et maintenant effectuer la copie-coller sur MT4. Donc une fois vous accédez à votre compte comme ça, vous venez cliquer premièrement ici et voir si votre compte a été vérifié. Donc ici c'est mon deuxième compte. On a vérifié ça aujourd'hui, donc maintenant je peux faire le dépôt. Donc pour faire le dépôt, c'est très simple, vous voyez dépôt ici, non? Donc vous cliquez sur ça et vous voyez les méthodes de dépôt. Il y a Visa, il y a Web Money, il y a Perfect Money, etc. Donc ici il n'y a pas crypto monnaie. Donc moi communément j'utilise la carte Visa ou bien Perfect Money. Vous voyez, non, vous pouvez utiliser Perfect Money ou bien la carte Visa. Donc, il y a le dollar PM que vous pouvez acheter et créditer le compte. Pour créer un compte aussi, Perfect Money, il y a une vidéo sur ça. J'avais fait une vidéo, vous pouvez regarder et voir comment vous pouvez ouvrir le compte Perfect Money et faire l'achat de dollars PM et faire le dépôt sur le compte ISM. Ou bien la carte Visa, vous pouvez recharger votre carte Visa et passer au dépôt. Donc, pour le Perfect Money, je viens cliquer ici, faire un dépôt ici. C'est très simple. Le montant que je veux saisir, je saisis ça ici. Je vous ai dit que dans ISM, vous pouvez déposer même jusqu'à 10$, c'est possible. Donc, je clique sur dépôt et je suis la commande pour pouvoir effectuer le dépôt. Donc, c'est ça. Donc, c'est la copie-coller qui m'est nécessaire d'abord. Donc, maintenant, ici là. Vous voyez, ce sont les paires de devises que nous avons. Mais à la création du compte démo bien réel, vous ne pouvez pas voir toutes les devises ici. Pour ajouter les devises, vous devez cliquer sur le plus qui est ici. Et vous allez saisir ce que vous voulez pour avoir plus de devises. Exemple, il n'y a pas... Vous voyez, non. Par exemple, GBPCHF là, il n'y a pas ça là-bas. Donc, j'ai cliqué, je vois ça ici, je vais cliquer ici. Vous allez voir ça là aussi. On utilise ça aussi. Je clique sur ça. Si je reviens en bas, je vais voir que ça va s'afficher en bas. Bah, c'est ça. Ce sont les deux que je viens d'ajouter là. Donc, c'est comme ça on fait pour ajouter les devises sur la page là pour pouvoir les utiliser pour faire les trades. Maintenant, comment je vais faire? Je vais placer l'ordre. On m'envoie maintenant les ordres dans le groupe Telegram ou bien groupe WhatsApp. Comment je vais essayer de les placer? Je prends par exemple... Par exemple ici le gold, on dit buy now et le prix d'entrée c'est ça, 1648, c'est ça le prix d'entrée. Vous voyez, non, on me dit buy now. Donc ici le prix d'entrée c'est ça qui est nécessaire. Il y a aussi le TP1, le TP2, ça veut dire que le take profit 1, take profit 2 et SL c'est stop loss. Ça veut dire que lorsque, au lieu que ça monte, si ça descend à SL là, ça doit couper ça. Ici, pour placer l'ordre là maintenant, je vais aller sur mon graphique. Je vais cliquer sur ça. Le gold là-bas, c'est ça ici. ISAUUSDT. Je clique sur ça et je vais cliquer sur ouvrir le graphique. Vous voyez, non. Maintenant, le prix d'entrée, le prix, c'est ça ici. Ça fait 16,65,93. Est-ce que c'est confortable? Forme ici 1648, vous voyez, non, 1648, ça veut dire que ça doit être quelque part en bas ici. Non, sympa, je ne peux pas placer l'ordre là comme ça. Mais qu'est-ce que je veux faire si c'est dans la journée? Par exemple, c'est la matinée, on a donné l'ordre là. Donc, celui qui a fait l'analyse ou bien le trader a vu que lorsque le prix va descendre jusqu'à 1648 là, ça va encore remonter. Comme ça, on peut buy ça. Mais pour ne pas être accroché sur le graphe, pour vérifier à tout moment, on va placer buy limit. Buy limit veut dire quoi? Lorsque le prix va arriver à ce niveau,
ça va se déclencher et vous allez voir que ça va commencer par travailler. Donc, by limit là, je viens, je vais cliquer sur ça et je clique sur nouvelle transaction. Je viens en haut, vous voyez non? On dit exécution immédiate. Lorsque tu vas appliquer ça, ça veut dire que lorsque tu vas placer l'ordre en même temps, ça va commencer. Mais nous, on ne veut pas que ça soit dans l'immédiat. On veut placer ça en un temps. Donc, je clique là-bas, en haut là-bas, je vais cliquer là-bas. Vous voyez, buy limit, non, je vais cliquer. Et le prix du marché, je saisis ça ici. Je vais aller regarder. C'est 16,48.4. Donc, je viens saisir ça ici. 16,48.4. Vous voyez. Maintenant, le stop loss, c'est ça ici, le take profit ici. Le stop loss, je vais regarder ça encore. Stop loss 16,43.4. Je saisis ici. 16,43.4. Et le take profit, je vais regarder. Je prends le TP1. Je prends le TP1. 16,50.04. Je mets ça ici. 16,50.04. Vous voyez, maintenant, je clique sur établir. Donc, je viens de placer l'ordre de ISAU. Maintenant, le système va rester comme ça jusqu'à ce que ça, là, ça va descendre. Lorsque ça descend jusqu'à ce que ça va couper, maintenant, mon ordre, maintenant, ça va déclencher. Et maintenant, ça va commencer par travailler. Vous voyez, non, c'est comme ça, on met by limit et c'est limite, c'est la même chose. Maintenant, il y a une chose. Peut-être l'ordre qu'on m'a donné ce matin, on me dit 16,48,4. Maintenant, si je vois dans si je vois le graphe et je vois que c'est exact, c'est 16,47 ou 16,48, donc je place l'ordre en même temps. Je viens cliquer sur ça, je clique sur une nouvelle transaction. Donc, je vais seulement saisir le stop loss, le take profit qu'on m'a donné. Vous voyez, non, stop loss et le take profit là. Je vais SL et TP1. Donc, souvent les SL, généralement, c'est ici. C'est la partie là et le TP c'est ici. Donc je vais saisir les deux ici. Si c'est celle qu'on me dit de celle, je clique sur celle en bas. Si c'est buy, je clique buy en bas. Vous voyez non? Donc par exemple, je vais essayer de placer l'ordre ici. Ici là maintenant, je vais prendre stop loss 16,57 et take profit 16,69. Donc je prends ça. Nouvelle transaction 16,57 et ici 16,69. Vous voyez non? Maintenant, le lot, pour prendre le lot, je vais prendre le petit. Donc je clique sur ici, je clique sur 01 pour avoir le petit lot. Maintenant c'est buy. Donc je clique sur buy comme ça et je viens de placer l'ordre. Vous voyez non? Donc je dis que lorsque la bougie va descendre et arrivé à 16,57, là, ça va couper. Lorsque tu es en train de placer l'ordre, tu es prêt à perdre une partie de tes dollars ou gagner. Si tu ne veux pas perdre, tu ne peux pas gagner. C'est ça. Donc, le stop loss pour ne pas cramer le compte, on place ça, arrivé à un niveau, ça va couper. Et tu quittes le marché. Donc, ça peut aller à take profit et tu vas gagner ou bien stop loss et tu vas perdre. On vient de placer l'ordre ça. Vous voyez non? Donc c'est en cours. Je peux laisser ça en voyant l'analyse que j'ai fait. Je sais que ça peut monter jusqu'à ce niveau là et je peux avoir le TP. Au cas contraire, ça peut aller à stop loss. Mais l'analyse doit te confirmer. La probabilité doit être à 75% que tu vas gagner et 25% que tu vas perdre. Si tu fais bien des analyses comme ça, tu vas voir que lorsque tu vas trader la journée, tu vas voir que tu vas faire des pertes, tu vas faire aussi des gains, mais tu sortiras toujours gagnant. Donc, c'est ça. C'est l'ordre que je viens de placer. Vous voyez, non? C'est très simple. C'est quelque chose qui est... Donc, je suis dans les gains comme ça, là. Vous voyez, non? Donc, c'est le plus petit lot que j'ai pris. Et ça peut faire un sweet ring. Ça va rester comme ça jusqu'à instant que ça va couper. Je sais que ça va aller en haut. Je sais que donc, c'est comme ça on place les ordres. Donc, ici, par exemple, on dit sell now. Sell now. Donc, au lieu d'utiliser buy, vous allez utiliser sell. Et le prix d'entrée, vous allez vérifier. Et il y a deux choses. On peut dire le prix d'entrée, c'est 16,65. Alors que tu es sur le marché, tu as vu que c'est 16,60, c'est la chance pour toi. Tu peux prendre la position.
si c'est buy ça, vous voyez non, on dit que buy c'est 16,65, ça va monter. Alors que toi tu as vu sur le marché c'est 16,60, c'est en bas et on dit que ça va monter. Donc tu peux prendre position, tu ne peux pas attendre jusqu'à ce que ça va aller à 16,65 avant que tu vas essayer de placer l'ordre. C'est pas bien quoi, vous voyez non. Donc si c'est l'ordre, on dit que sell 16,65 et toi tu as vu 16,69 là, tu peux prendre sell. Tu es toujours dans le lot. Mais si tu as dit 16,65 et tu as vu 16,60 et tu veux prendre celle-là, non, ce n'est plus conseillé. Tu as déjà raté l'opportunité là. Tu attends encore. Il y a des opportunités sur le marché à tout moment. Donc, un peu de patience et ne prenez pas assez de lot. Pour prendre le lot, essayez de commencer avec le plus petit. Pour savoir que vous avez pris le petit lot, donc vous cliquez sur ça. Et nouvelle transaction, vous allez voir que les chiffres qui sont ici là seront masqués. Vous voyez non, les chiffres là, ça sera masqué. Donc ça veut dire que c'est le plus petit lot que vous avez pris ça. Si je veux augmenter un peu, vous voyez non, 0,2, ça veut dire que c'est pas le plus petit lot. Donc essayez ça. Mais le gold là, c'est tellement volatile. Le gold est volatile. Tu peux gagner beaucoup, tu vas perdre encore beaucoup. Donc, on conseille de prendre le plus petit lot et tu vas travailler avec ça. Tu vois que ton capital sera sécurisé. Merci. Donc, voici le gain. Ça marche comme ça. Sinon, on fait le suivi trade. Ça là, je peux prendre 3 positions comme ça. Je peux prendre 3 positions. Je peux prendre ça. Ça va monter un peu. Je vais couper. Il y a ça aussi. Mais au fur et à mesure qu'on va expliquer les choses dans le groupe Telegram, je vais vous montrer comment faire ça là. Vous voyez non, ça va monter et je vais essayer de couper ça. Merci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser dans le groupe Telegram ou bien groupe WhatsApp. Merci et bonne chance.